C'est une question très importante que je vous pose. Pourquoi, à chaque fois, pour enregistrer les achats, on doit passer par bon d'achat, après on va convertir bon d'achat vers bon de réception, et après convertir bon de réception vers la facture, au lieu, tout simplement, pour ne pas perdre du temps, aller directement au mode du fournisseur, sélectionner inscription et enregistrer l'achat. Pourquoi? Achat confirmé, réception. Non, avant ça, avant ça, avant ça. Confirmation, réception, c'est... Il y a autre chose. Un bon contrôle interne. Un bon contrôle interne. C'est un petit peu loin. Réfléchissez. Je vais vous aider, OK? Dans quel module on crée bon d'achat et on crée bon de réception? Allez, écrivez-moi dans quel module. Inventaire. Et qui dit inventaire? Et qui dit inventaire? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je sais que c'est toi qui as dit inventaire. Non, j'ai dit. Quand on dit inventaire, ça veut dire quoi? Quantité. Et qui dit quantité, qu'est-ce qu'on dit? Allez, s'il y a un mot qu'il faut utiliser. Stock. Exactement. Le stock. Exactement. Le stock permanent. Exactement. 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 Si on est dans l'inventaire intermittent, juste on va attendre la fin d'année. Il y en a qui n'utilisent pas, mais ce n'est pas bon. Il faut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un. Il faut faire le. Par exemple, si vous ne faites pas dans les achats, vous ne faites pas le bon d'achat et bon de réception, vous n'aurez pas dans le stock des quantités pour les vendre. Quand vous allez chercher la facture du client, vous pouvez utiliser les quantités. On ne peut pas utiliser cette facture-là. On va utiliser juste les bons. Si on ne fait pas ni bon d'achat, ni bon de réception, on va juste utiliser des chiffres. Comme ici, regardez, comme ici. On va mettre fournisseur. On vient ici. On va mettre, par exemple, 6 000. Par exemple. Et on va saisir le montant total de la facture, 22 945,56. Et on va extraire les taxes. Voilà. Et c'est tout. D'accord? Mais vous n'aurez aucune information sur le stock. Combien de quantités est entrée, combien de quantités sorties, combien quantité commandée, combien de quantités livrées, combien de quantités en instance de réception, combien de quantités retournées, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le module inventaire. Très bien. Donc, je vais juste fermer ça. Et voilà.